seul, enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu, le calme où rien ne vibre. En vérité, je n'ai l'impression que je suis libre que lorsque je suis enfermé. C'est si bon de s'enfermer. D'ailleurs, s'enfermer n'est pas du tout le terme. Lorsque je fais tourner la clé, ce n'est pas moi qui suis bouclé, ce sont les autres que j'enferme. Thank you.
J'aime pas sa tête. Ses yeux demi-pochés, son oreille en cuvette, son nez en arbalète, sa bouche endimanchée. Mais j'aime bien ses cuisses. Si douces au toucher pendant le Saint-Office, ma main vient s'y chauffer. De profondis, acte domine clamavi. Que c'est doux, que c'est doux. Plus doux qu'une souris, que le cœur de l'été du miel et du Saint-Doux. Dans le rang d'à côté, ma main enfouie en cette blanche obscurité, madame la baronne d'Auxerre, qui ressemble à un dromadaire, me sourit. C'est sa mère. Madame la baronne se signe d'un grand geste. Ite missa est. Je suis sa pointe et d'encore en encore, toujours, l'esprit s'insinue et s'avance tant et si bien qu'il arrive à bon port. Lise riait du succès de la chose. À six moments de là, Bonaventure donne d'esprit une seconde dose. Ce ne fut tout, une troisième succéda. La charité du beau-père était grande. Eh bien, dit-il, que vous semble du jeu? À nous venir, l'esprit tarde bien peu, reprit la belle. Mais s'il s'en va? S'il s'en va, d'autres secrets se mettent en usage. N'en cherchez point d'Ilise davantage, de celui-ci, nous nous contenterons. Les princesses attendries par les charmantes bafouilles n'attendent pas minuit pour farcir leur citrouille. La neige tombe à gros flocons sur la Suisse endormie et les traîneaux glissent sans bruit sur la neige poudreuse. C'est le titre.